Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck standard avec un petit peu de deck contrôle, U-White contrôle, qui est assez régalant ma foi. Ça fait un moment qu'on n'a pas présenté de deck contrôle sur la chaîne, enfin un moment, ça fait 2 semaines je dirais environ. Et ben, ça fait plaisir de, déjà d'être en standard et en plus de vous présenter des gameplays contrôle qui ma foi m'a l'air régalant de bonnes cartes. Quand je vois ouais, bah surtout la sortie de l'Impératrice Vagabonde qui a donné envie un petit peu de tester ce Planeswalker dans des shells plus contrôle. On l'a vu dans des shells plus midrange, on l'a vu en haut de curve des decks aggro. On le disait qu'elle était tellement polyvalente qu'elle était capable de rentrer dans tous les types de stratégies. Et c'est vrai que dans les decks contrôle, bah, on a envie aussi de la tester parce qu'elle est capable de faire anti-bête, donc exil de créatures, tout en étant un kill entre guillemets déterministe. C'est-à-dire que si la partie dure, elle va finir par tuer votre adversaire. Et ça, avoir un kill qui est en même temps une très bonne carte polyvalente, c'est un vrai plus dans ton deck contrôle. Mmh. Ah de ouf, très 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 bonne carte qui ne cesse de briller par-ci par-là, mais toujours raisonnablement. Jamais de façon abusée. Avant de parler de la deck tech, pouce bleu d'anticipation confiance, ça fait plaisir. Si vous voulez également nous soutenir, il y a nos sponsors qui nous soutiennent et qui vous permettent de nous soutenir. Play-in by Magic Bazar, code VALPL 2022 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et également Instant Gaming, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur le site, vous achetez les jeux pas chers, ça nous soutient, ça régale. Qu'est-ce qui régale également, Val ? Alors, ce qui régale également, c'est qu'on est en partenariat avec une campagne de Kickstarter pour pouvoir acheter ces fabuleux tapis. Je dis gagner, vous allez vite comprendre pourquoi après. Donc, c'est les tapis illustrés par l'illustrateur original des 5 premiers Planeswalkers de Magic, ceux qui sont sortis à l'époque de Lorwyn, Aka, Liliana, Chandra, Jace, comment il s'appelle, Adjani, pardon, et Garuk. Ce sont les illustrations d'origine. L'illustrateur original, c'est Alexis. Il est en partenariat avec ceux qui ont monté ce Kickstarter. Et ils ont réussi du coup à mettre en place ces artworks qui n'avaient jamais été faits sur des tapis comme ça. C'est des tapis ultra pro de très très bonne qualité. Oui. Pelle vous en montre un exemplaire actuellement. Franchement, c'est la régalade ultime. Si jamais vous voulez vous procurer ce tapis en plus à un très très bon prix, il y a la campagne de Kickstarter qui est directement dans la description, je vous laisse regarder ça. Et là, quand cette vidéo sort à 17 h, le tapis que PL a dans ses mains est à gagner sur notre compte Twitter. On touche 0 € pour vous parler de ça. C'est une campagne vraiment qu'on a décidé de mettre en avant parce qu'elle nous parle, elle est cool. La seule contrepartie qu'on a demandé, c'est d'avoir les tapis et de pouvoir vous en faire gagner. Donc voilà, 17 h sur Twitter, lien dans la description, et vous pouvez gagner ce tapis Liliana. Je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, il y aura d'autres tapis de la campagne à gagner. Oh là là, ça tease. Ah, ce tapis, il est vraiment magnifique, et je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais il est brodé sur les côtés. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle brodé, mais en gros, il y a une finition. Oui, c'est ça, tu as cette espèce de broderie comme sur les tapis un peu premium, et c'est très esthétique. Très très quali, c'est full régalant. Hop là, je... Il y a un côté nostalgie, c'est les premiers artworks des premiers Planeswalker dessinés par l'illustrateur original qui est en collab sur ce Kickstarter. Donc moi franchement, moi je vous le dis, je vais me faire un délire, j'encadre les 5 en fait. Oh, le mec, c'est l'histoire de Magic en fait. C'est vrai que c'est très très joli. Ce premier là déjà gagné et comme tu l'as dit, peut-être d'autres qui viendront. En tout cas, ça fait plaisir. Lien dans la description. Et est-ce que c'est pas le moment de parler juste d'une énorme deck tech? Ben on va partir directement sur cette énorme deck tech. On disait tout à l'heure que l'Impératrice Vagabonde n'était pas cheatée. Je pense que si on peut lui donner un axe sur lequel elle est cheatée, c'est sa polyvalence. Je pense qu'elle est cheatée de polyvalence. Mais ouais, c'est tout. Mais genre voilà, c'est nickel quoi. Non, les cartes cheatées parce qu'elles sont polyvalentes, ça nous va. Ça va un peu moins à Wizard, on le sait, ils n'aiment pas les cartes, enfin comme quasiment tous les créateurs de TCG je crois, ils n'aiment pas les cartes auto-in partout. Mais pour le coup ça, c'est un Planeswalker qui fait des bêtes, fait un petit tricks de combat, fait de la gestion. C'est juste la base de Magic, entre guillemets. Après, c'est les joueurs de Magic, eux, aiment les cartes auto-in partout. Nous, et c'est vrai qu'actuellement, on aime bien cette Impératrice Vagabonde parce qu'elle est jouable partout, elle est puissante et compagnie. Je me pose la question, comme je me posais la question au préalable, est-ce qu'au final, de l'avoir partout, on ne va pas en avoir plein le cul dans 6 mois? On se donne rendez-vous plus tard pour répondre à cette question. Peut-être, effectivement, si elle est de partout. Mais l'avantage, c'est que ça reste un Planeswalker à 4, donc ça se contre, ça se tue... Ça va se chercher parce qu'il n'y a pas beaucoup de loyauté. Toutes les menaces se contre et se tuent, mais quand elles sont très récurrentes et jouées partout, il y a un moment où on peut commencer à en avoir un peu marre. J'espère me tromper parce que j'adore littéralement cette carte. Mmh. C'est vrai que très très cool. Bah écoute, on verra dans quelques mois, mais je pense que les extensions qui arrivent pourront régler le problème potentiel de surapparition, on va dire, de l'Impératrice Vagabonde, quoi. Notamment avec des cartes qui sont déjà révélées de New Capenna qui permettent de gérer les Planeswalker. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a dans cette decklist, pardon? De la gestion, puis portable, marche de la lumière fantasmagorique. En x4, je suis assez content parce que j'aime beaucoup la carte, même si, voilà, en standard, c'est pas le format où elle est le plus intéressante, mais c'est quand même l'anti-bet un peu premium ici, hein, parce que jouer en 4 exemplaires, enfin anti-bet, anti-permanent, hein, parce que ça peut gérer enchantement et artefact également. Ouais. Absence fatidique, je pense que c'est acceptable dans un deck contrôle parce que la perte de carte advantage que tu vas faire avec cette carte-là, hein, se défausser des cartes de ta main, c'est quelque chose que tu n'as pas trop envie de faire. Tu vas le gagner sur la tempo de la partie, c'est-à-dire que ça va te permettre, lorsque tu joues un deck contrôle, de pouvoir gérer des créatures dans des situations en early game que où tu n'aurais pas pu les gérer habituellement. Et la perte d'avantage de cartes en main que cela va générer, tu le rattraperas plus tard en late game avec des cartes comme Lier, par exemple. Je pense que c'est pour ça que cette carte est jouée en standard ici. Effectivement, ouais. C'est vrai que c'est un bon moyen de rattraper la tempo ou de faire des... avec peu de mana, entre guillemets, de faire plusieurs plays. Comme juste garder un mana blanc, en fait, pour casser la marche et après, des fois, c'est des cartes. C'est littéralement de la tempo. Ça te permet justement d'assembler plusieurs plays. En fait, tu échanges du carte advantage contre de la tempo parce que ton deck est capable de générer beaucoup de cartes advantage pour rattraper cet écart-là plus tard. C'est ça. C'est juste dommage qu'on les exile et qu'on les défausse pas. Parce que ça marcherait super bien avec Lier, mais ce serait peut-être pété. Ah donc c'est peut-être normal. Absence fatidique en x2. Et puis bon, voilà, anti-bête, Impératrice Vagabonde. De toute façon, dans toutes les catégories que je vais citer, je pourrais parler d'Impératrice Vagabonde. Domscar et Adieu, qui sont deux Vras. Et comme tu me le disais, Val, qui ne sont pas vraiment deux Vras identiques, puisqu'on a, bon, 4 Domscar, on sait ce que ça fait, il y a écriture. En 4 mots, détruire toutes les bêtes. Et Adieu, c'est plutôt pour, en fait, nettoyer les cimetières, enlever tous les permanents non Planeswalker. Sachant que nous, on joue 6 Planeswalker. Ça marche bien avec le deck, on garde nos Planeswalker et on vire tout le reste, et ça marche bien contre Horror of Control. Ouais, contre Horror of, ça marche très très bien, ça vous permet de clean les trésors, le cimetière, voilà, tout ce qu'il y a sur le board, et ça marche très bien contre Rune aussi, qui, on le rappelle, même si il a subi un petit peu les foudres en alchimie, ça reste un excellent deck du standard, toujours présent dans les tops, et c'est vrai qu'Adieu, c'est une carte qui lui fait assez mal, pour le coup. Yep. En plus de tout gérer assez facilement, on enlève les runes du cimetière qui pourraient être jouées et les camis qui reviennent du cimetière. Donc ça dégage. Un peu de contre, mais pas trop, parce qu'on a Lier, disciple des noyés, qui nous empêche de contrer notre adversaire et nous-mêmes. Une bodenieuse, une negate et 4 perturbations de Jwari, qui peuvent être des landes, donc en vrai il n'y a finalement que 2 contres véritables. 3 espoirs volatilisés qui marchent encore une fois très bien avec Lier, puisqu'on peut la sauver, c'est l'interaction principale en fait, on joue Lier avec 6 mana. Un mana espoir volatilisé, on la reprend en main pour ne pas la perdre tout simplement, ou juste avoir de la tempo en boon sur les créatures adverses. Des piocheurs avec des juges de réminiscence, et Celestus qui fait office d'un peu tout, de tempo avec les points de vie, d'accélération de mana, de fixing, et de pioche avec l'alternance jour-nuit, qui marche très bien avec Teferi, qui peut le détaper du coup, ainsi qu'un land pour avoir 2 mana dispo, gagner des petits points de vie également Teferi, engager des bêtes en face, c'est quelque chose que vous faites pas souvent, mais vous pouvez le faire. Piocher des cartes, et il a un petit emblème sympathique qui permet de grinder la partie si jamais on arrive jusque là. Est-ce qu'il y a des cartes que je n'ai pas citées? Appel d'Éméria, qui est un très bon kill, et qui est un peu presque un manland, puisque c'est encore une fois un land qui va tuer. Appel d'Éméria avec la grotte du dragon de givre et le hall des géants des tempêtes. Ouais, il y a beaucoup de moyens de tuer dans ce deck-là, et ce sont que des cartes qui sont individuellement puissantes, qui ne font pas office juste de kill un peu gras, un peu nul. Ce sont toutes des cartes qui ont des applications dans la partie et qui, au final, lorsque la partie s'enlise ou alors lorsque vous aurez contrôlé la partie, pourront tuer votre adversaire. On a aussi la présence d'un Otawara et de 2 Eiganjo, siège de l'Empire, histoire d'avoir vraiment réponse un petit peu à tout ce que peut proposer l'adversaire. Yep. On joue combien de landes? On joue 22 landes plus 22 les, plus 6. Ça s'appelle l'Éméria. Voilà. Et les 4 perturbations de Jwari. C'est vraiment sympa, les MDFC, pour ce que ça propose, notamment pour les décontrôles, je trouve. Ouais. Ouais, ça te permet d'avoir facilement ton nombre de landes. On sait que les deck control veulent poser des terrains tous les tours pendant X tours, vraiment louper un land drop, là où dans les decks aggro c'est pas très grave, dans les decks control c'est dramatique. On veut vraiment monter très très vite en land pour pouvoir avoir beaucoup de mana et utiliser toutes les cartes qu'on va générer avec notre carte advantage. Donc c'est important de poser des terrains pendant 10 tours tous les tours, et donc on a envie d'en avoir un certain nombre, quoi. Yep. En side, 3 Festivités du couchant, 2 Negate, 2 Horreur Brisecoque, une Absence fatidique, une botte, 3 Ermites maléfiques, 2 Brisbank Elias, et la dernière carte que vous ne voyez pas, c'est un Imrid Fléau du désert, pour avoir une petite menace supplémentaire. Il y a notamment les match-up miroirs où on a beaucoup de cartes à enlever, parce que la decklist est très préparée au deck midrange créature, en main deck, mais pas trop au miroir, hein. Il y a beaucoup de cartes mortes, ou en tout cas potentiellement mortes. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a rajouté les Celestus par rapport à la decklist qu'on a pris de base, il n'y en avait pas, parce que les Celestus permettent de défausser des cartes. Donc en mirror, bah, c'est très utile, et vous avez souvent du mana pour faire passer du jour à la nuit, si possible. Est-ce qu'on est parti, Val? Est-ce qu'on... J'ai oublié un truc. Là, on est juste parti. Let's go. C'est juste parti. Est-ce que tu saurais nous dire rapido les cartes à enlever, les cartes à rentrer pendant qu'on cherche une petite game là? Alors là, j'ai plus toute la liste en tête globalement, mais franchement là, vous n'allez pas vous prendre la tête, hein. Vous allez sortir les anti-bêtes contre les jeux contrôle, yep, tout simplement, et rentrer les contres. Et contre les jeux créatures, vous allez rajouter vos anti-bêtes. Les siding patterns d'un deck comme ça est quand même assez simple. Alors effectivement, vous n'aurez pas... ce sera pas aussi fluide et parfait que si vous aviez des tables de side éditées par quelqu'un qui a beaucoup joué le deck, mais je veux dire de manière naturelle vous allez trouver facilement ce que vous voulez rentrer contre tel ou tel deck. Yep. Mais ouais, là la table de side sans la decklist en visuel, ça va être un peu compliqué. Non mais c'était par catégorie entre guillemets, tu vois, genre on enlève les anti-bêtes, on rentre les contres. Ouais, tu vas rentrer tes anti-bêtes, tu vas rentrer tes contres contre les jeux contrôle, tu vas sortir les Lier, tu vas rentrer les Horreurs Brisecoque et les Imris. On préfère avoir des menaces qui sont difficiles à gérer, difficiles à contrer, plutôt que Lier. Là, je suis... Lier qui est très bien contre les jeux créatures. Je suis pour l'instant hypé par ce petit deck. Ok, on a 2 mana. On a 2 mana, mais que des spells chers. Que mana, des spells chers, on peut prédire Domscar, l'adversaire commence. Il faut quand même, genre là, il faut trouver des landes, il faut trouver 2 landes de sûr, et on ne fait rien avant le tour 4. Ou peut-être un Domscar pour 3 ou plus tôt. Je fais Domscar et 3 si jamais trouve un land. Si c'est un deck contrôle, on peut la garder. Si c'est un deck créature, on va prendre l'enfer littéralement. Ouais. Le problème, c'est que comme on ne connaît pas le match-up, moi je la garderai ne connaissant pas le match-up, mais si on prend mon blanc, c'est perdu. Ouais, j'aurais plutôt été team Mulligan là. Parce que justement, en fait, dans le meilleur des cas, on trouve des landes pour jouer des trucs au tour 4, mais du coup, on ne joue rien avant, quoi. Enfin, ouais, on n'a rien de jouable. Je n'aime pas les mains de départ quand tu connais pas le match-up en face, parce que juste, tu peux trouver tes landes et tu peux avoir un miroir de contrôle qui va te laisser le temps de les trouver, quoi. Écoute, on voit l'équipe. Sachant que le format est plutôt mou. On a la théorie, j'ai assez confiance. Ouais, je sais pas à quel point monoblanc est présent. Ok, bah tu vois, tu vas jouer un miroir de contrôle et tu vas être très content du coup d'avoir gardé ta main. Est-ce que je lance de Jwari? Je suis pas sûr. Non, je pense que tu poses plage désertée ici. Ouais. Parce que si jamais tu pioches X land sur le dessus de ton pack, tu seras content d'avoir ta Jwari. C'est ça. Par contre, au prochain, si je trouve pas land, peut-être que je pose Jwari. Ouais, ça peut être UI tempo, cela dit. Non, c'est Esper contrôle, donc je trouve un land. Tu vois, on a bien fait. Je pose ma petite plaine. Ouais. Esper Control, c'est un deck qui pack beaucoup Planeswalker et des anti-bêtes. Donc là, typiquement, tu pourrais prendre Kaito et on va être très content de Jwari ici. Ouais. Oui, Domscar, dans ce match-up, on pourra le jouer pour 5, c'est pas très grave. Moi, je poserais... Non, non, je poserais la Jwari parce que tu veux 4 mana pour Teferi, je pense, le tour d'après. Oui, c'est vrai. Et t'as Negate Up si jamais tu te prends une dingue, tu vois. Ouais, t'as raison. Je restais sur... il a commencé, donc c'est fort Jwari, mais... quand même privilégier les drop 4. Là on sent que dès qu'on joue contrôle, on est moins sur du LOL quoi. Ah, c'est juste non en fait mon pote. Bah on est un peu moins sur du LOL parce que déjà moi c'est pas des decks que je joue beaucoup. Je suis pas un gros joueur de contrôle, je sais jouer contrôle mais sans avoir beaucoup d'expérience, donc je peux moins pousser les cartes si tu veux, j'ai un moins bon autopilote, je dois un peu plus réfléchir à ce que je veux faire et ça te demande surtout beaucoup d'interaction quoi. Blanc ou bleu? Tu veux 3 blancs pour pouvoir jouer tes anges, donc tu peux mettre blanc ici, je pense que c'est fine. Et on peut mettre tes Teferi. Tef -2, let's go. On en a 2. T-land. Ouais, c'est plus facile pour moi de jouer un deck tempo ou un deck midrange en racontant des conneries quoi. Marche ou land? Marche ou crève? Prendrait marche parce que son deck va consister à slammer des Planeswalkers les uns après les autres. Et ta main répond pas à ça. Alors marche non plus. Ah bah super alors. Je pensais que c'était un anti-permanent. Je t'ai entendu le dire dans Alors je l'ai dit, parce qu'en fait j'ai dit anti-bête et après j'ai dit anti-permanent parce que ça gère aussi en chant. Ah ouais mais c'est pas Planeswalker. Mais c'est pas Planeswalker. Je me suis fait bait. Ah sinon la carte est vraiment Gucci. De pouvoir gérer tout. Ah si. Je crois que si tu le rajoutes Planeswalker, elle est pas plus jouée que ce qu'elle n'est jouée, c'est-à-dire qu'elle est très bien. Non mais elle est meilleure. Oui, elle est meilleure, mais ça la rendrait pas plus jouable parce que c'est une question de tempo et de mana à dépenser, quoi, le fait qu'on la joue pas. Dans les formats éternels, quand tout le monde joue un land artefact, 4. Oui, non, mais elle est incroyable, moderne, c'est clair. C'est Gucci. Oh, d'ailleurs, faudrait que je te montre une decklist jouée par l'ami Gab. Ouais. C'est du Golgari. C'est excellent en moderne. Alors, je sais pas si c'est fort, mais genre la decklist, c'est je ziote un peu les tops. Hein. Je me rappelle pas le nom du deck, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de nom, c'est genre Golgari. Et ça joue donc 4 épopées d'Urza. Enfin, saga d'Urza, non. Ouais, Urza Saga, ouais. Donc Urza Saga. Urza, je crois. Hein. Pour aller chercher des petits artefacts en mode toolbox, mais genre t'en as très peu. Et autour de ça, c'est vraiment le classico avec de la discard pour 1, l'alpha 1, c'est une 1-2 pour 1, sacrifier un land, et tu vas en chercher un autre. Ah oui, et ça joue Maritlash combo non, je crois qu'il n'y a pas Maritlash justement. Je regardais dans les lands et en fait ça va chercher Urza Saga. Ah, ça doit être banni, ok. Ah bah non, bah, j'ai pas vu passer cette liste-là, mais je vois de quoi est composé le deck, quoi. Il y a des synergies comme ça en Legacy pour assembler Dark Depths. Yep. Je vais lander Eiganjo là, non? Ou non, Hal en fait. Non, plutôt Hal, ouais. Plus 1. Ouais, plus 1. Est-ce que tu veux du coup Teferi moins 2 ici? Non, je crois pas, j'ai un déluge en main. Ouais, c'est vrai, t'as un déluge en main, pardon. J'allais dire, t'as quand même une sacrée main de merde, mais en vrai, t'as déluge, donc ça va. On va détaper notre land, et on passe en phase d'attaque. C'est vrai que cela dit, tant qu'on a du mana dégagé, et qu'on a réussi à negate son Sorin, lui, il sait pas Shatten Wandler, ce qu'on a en main. Mais c'est ça qui est un peu dur quand tu joues contrôle, ce qui te demande de... Là où tu peux autopilote en jouant des decks aggro ou des decks midrange, pousser un peu les cartes et discuter. Quand tu joues contrôle, tu dois toujours représenter des cartes que t'as pas. Donc ça. Même dans les temps morts, tu dois être un peu... Puis il y a beaucoup de cartes, mais justement pour pouvoir s'adapter au match-up, dans contrôle, tu joues beaucoup de cartes à choix. Teferi, moins 2, bah, tu choisis une carte parmi 3. Déluge, tu choisis 2 cartes parmi 4. Anti-bet, tu choisis ce que tu enlèves. Ça, à la limite, tu peux quand même pousser les cartes et faire ces choix-là, parce que tu les as dans les decks midrange. C'est juste que quand on veut raconter des conneries, là, vous rentrez un peu dans les insights de la chaîne, de la création de contenu, de jouer à Magic tout en parlant avec un pote. C'est très facile, du coup, de jouer ton tour et pendant le tour de l'adversaire, de bilveser, tu vois. Ouais. Et quand tu joues contrôle, bah, tu brises un peu ces règles-là, quelque part. Ouais, parce que tu regardes ce qu'il fait pour savoir ce que tu vas répondre, ce que tu vas faire, etc. C'est ça. Mais en fait, l'autopilote sur contrôle, ça marche dans les premiers tours, notamment. Mais je trouve que à tort, tu vois, parce que pour une vidéo, pour un stream, de toute façon, il faut jamais autopilote. Ça peut passer, mais ouais, voilà, c'est qu'en fait, tu vas faire comme je crois que c'est Rémi Fortier qui disait récemment sur Twitter, tu vas faire le play instinctif si t'es en autopilote. Ouais. Alors qu'il faut mieux réfléchir une fois que tu sais quel est le play instinctif et qui a l'air le plus évident, ouais, réfléchir aux conséquences, les autres plays, les trucs à côté et te dire ah est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ah bah c'est le principe de l'autopilote, hein, c'est de jouer à l'instinct et de pas choisir tous les autres plays. Et c'est vrai que typiquement, quand on est en stream, dans un débat, en train de parler avec le chat, on joue tout à l'instinct. Alors après, plus tu as de l'expérience, plus tu joues et plus ton play instinctif et plus ton autopilote est bon. Mais tu gagneras toujours à réfléchir à tes plays plutôt qu'à jouer à l'instinct. Mais qu'on sait juste quoi. Bah, juste écoute, let's go en fait. 1-0. Je pense qu'il va partir et qu'il a dû juste déco. Moi, je pense qu'il a vu le match-up qu'on était en train de jouer, qu'il a pris Negate sur son Sorin et qu'on a résolu un Teferi et il s'est dit oula, je m'embarque pas là-dedans, moi. C'est vrai. Alors, la game n'était pas très intéressante, mais la discussion l'était. Oh, complet, au moins. Complet. Bah, j'aime bien, moi, cette dynamique d'autopilote parce que j'aime bien en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pas ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Magic en boutique ou alors qui jouent à Magic pour jouer à Magic, mais qui font pas deux choses en même temps, c'est-à-dire jouer à Magic et faire autre chose. Ouais, bah, quand tu crées pas du contenu, déjà, tu fais moins de choses à la fois. C'est un truc qui est très difficile à faire, en fait, de tenir une discussion tout en jouant à Magic. Top, ça. Ça pousse souvent à faire des bêtises. Oh, c'est équipe, ça. Et ouais, je trouve ça toujours intéressant, moi, de parler un peu de ça. Mm. Avec le nombre de vraces, sur le coup, quand j'ai vu la decklist, ça me paraissait un peu beaucoup d'avoir 4 Domscar à 2 Adieu. Mais en fait, avec des cartes comme Marche, c'est des cartes que tu recycles. C'est bazar le pire, ouais. Vas-y, let's go. Là, si je peux faire tes deux comptes dans Celestus, je suis Gucci. Oh la Magda. Ok, tranquille. Je sais pas si on veut Celestus. Non, je crois que je veux lander ça en fait. Pourquoi tu landerais pas? Ah, tu veux lander taper? En fait, je veux land tap pour tour prochain pour faire Celestus par sommation. Ouais, ça me va. Là, je lui présente Jwari à chaque fois. Et là, s'il a tourné autour, typiquement, en ne jouant pas son. Hop là. En ne jouant pas son drop 2, on le cueille. Et tu l'as cueilli. Ah! Tu l'as accueilli, mais. Là, je crois que c'est Tef, hein, sur board vide. Ouais, c'est juste Tef-2, quoi. Ouais. Tef-2, tu te fais punir par Reckless Stormseeker, mais bon, il n'y a rien qui nous prouve qu'il joue cette carte-là, quoi. Et je veux un land, là. T'as pas le choix, ouais. Tu veux lander tous les tours pendant X tours, donc... Ça fait un peu chier, mais... Ça va, ça va. Chariot, c'est mou. Il joue Témur midrange, il a l'air bien son deck à Romotari. J'ai vu deux cartes et les couleurs et je trouve ça bien, mais... Ouais. Bah moi j'aime bien, là, l'enchaînement tour 3, tour 4. Ouais, moi aussi. Ça fait des copies du samouraï. Du chaman, pardon. Alors là, je peux land Adieu. Tu peux land Adieu ou alors tu peux Celestus et absence sur Chariot. Ouais. Est-ce que c'est pas un chouïa mieux que land Adieu, histoire d'avoir un Adieu un peu plus cossu, tu vois? Lui, c'est un deck qui va prendre le board. Il est obligé de venir te prendre le board pour outrepasser. Ouais. Ouais, moi je pense que tu fais Celestus, absence fatidique up, tu pètes Chariot et si tu poses un deuxième Chariot, tu auras un Adieu de conséquence, quoi. Yep. Faire ça. Je vais engager son chariot. Montre-lui que tu peux le faire. Ça ne sert à rien, mais tu lui dis regarde ce que je sais faire. Et je détape le land que je viens de poser. Comme ça, il y a la combo. Le tour. En vrai, il y a un monde où en réponse, il l'active. Et du coup, je lui pète pendant mon tour. Ouais, ça c'est un peu méchant. C'est un peu méchant parce que du coup tu peux pas protéger ton Teferi malheureusement. Je vais le laisser attaquer ou pas? Ouais, je crois que tu le laisses attaquer là. Ça dépend comment il attaque. Si tu peux protéger Teferi, tu le fais. Mais si tu peux pas protéger Teferi. Si je laisse attaquer, il a deux trésors là. Ah, mais on s'en fout de toute façon, tu vas le Adieu donc. Ok. Genre, donc, ouais. il faut regarder comment il attaque pour protéger ton Teferi en conséquence. Et ouais, si jamais il met les deux dans Teferi, tu laisses partir Teferi. Ok. Adieu Teferi, merci pour tous les services que tu nous as rendus. Oh, quel dommage, on faisait Adieu, on gardait Tef, on était royal au bar. Mais c'est pas grave. Après, il est pas obligé d'avoir Dragon d'Orpon, quoi. Il fait la belle curve, hein. Tour 3, tour 4, tour 5. Ouais, il fait la belle curve. My turn. Ok, je vais lander... Alors attends. Espoir volatilisé, ça fait quoi? Ça boons un permanent ou une créature? Ça boons une créature. Parce que là, le problème, c'est que tu es obligé de dire artefact, tu vas perdre ton Celestus. Hein. Est-ce que je suis obligé de dire Arthos? Ah bah, tu lui laisses son chariot, quoi. Chariot sans créature? Non, t'es pas obligé, cela dit, hein. Franchement. Si on veut garder Celestus, je peux juste dire Adieu comme ça. Hein. Je pense que c'est worse. Ouais. Vas-y. On va exiler toutes les créatures. Pas les cimetières. Pourquoi pas les cimetières? On perd... On perd que Jwari, non? Nous, on a rien. Ah ouais. Oui, parce que tu perds sur... Sur Lier. Mais je peux pas Jwari sous Lier, donc... Ouais, vas-y. Ok, créature. Il pouvait avoir un contre à 2, ça dit. Ouais, mais ça va, quoi. Tranquille. Ah, c'était très peu probable, mais... Mais ça pouvait arriver, quoi. Genre, il a déjà la curve de l'enfer... Ok, ce serait chiant s'il avait un autre drop 2. Ça va. Ok. Il est sweeto son deck, hein. Ouais. Ok, je vais exiler ça, je pense. Ouais, il faut que tu exiles, sinon il attaque avec Chariot. C'est égal 0. Ah, cela dit, tu n'es pas obligé d'exiler ça, tu peux juste espoir son token, c'est vachement mieux. Ah, c'est mieux? Ah bah ouais. Comme ça, t'as un espoir au cimetière pour lire et ta marche pour un problème plus conséquent. Ouais, t'as raison, ouais. Je me suis dit, je fais ça, comme ça, espoir, je le garde pour autre chose, mais... Non, non, en plus, tu fais ta draw, je pense que c'est pas mal. Le petit Scry, il fait le taf. Ok. Bon. Petit land. C'est en rituel que tu peux activer le Celestus? C'est n'importe quand. Non, ah non, c'est un rituel, excuse-moi. Ouais. Ouais. Si on passe à la nuit, on prend un gros Reckless Stormseeker, mais il est pas obligé de le jouer, encore une fois. Après, je peux juste lander pour avoir une 7-7. Hein. En bloc? Ouais. Ah, c'est peut-être mieux, ouais. Quand tu vas passer à la nuit naturellement en jouant rien, donc... Ouais. Oui, c'est vrai, en fait, au lieu de payer 3, tu t'en fous, tu vas juste passer à la nuit, là. Oui. T'as ça que jour-nuit, depuis que je drafte plus Nistrad, ouais, j'ai mis de côté la mécanique, mais complet, quoi. Je pioche une carte, oui. Oh. Ah ben, c'est une bonne carte. C'est mieux que Marche, je pense. Ouais, c'est un peu mieux que Marche. Ou Marche, c'est mieux qu'Absence? Absence, ça détruit un Planeswalker, donc je crois que ça fait la diff. Mais il en a? Ah ben, je sais pas, je connais pas sa liste. Ah, franchement, je pense pas qu'il joue de Planeswalker. J'enlèverai Absence et je garderai Marche. Qu'est-ce qu'il peut jouer dans le format? Réfléchissons en Témur. Est-ce qu'il a un Planeswalker qu'il a envie de jouer en Témur? Je vois pas. Non, je vois pas non plus. Écoute, vas-y, on peut enlever Absence fatidique et on se marrera bien s'il nous fait un Planeswalker, tu vois. Et il fait Tezzeret, j'anime Trésor, on fait bah super. Super, ah bah, super. C'est pas bien. Ce serait tellement drôle. Il enlève de land. Numéro 2, ça fait pas plaisir, mais ça veut dire qu'il avait que dalle. Est-ce qu'il y a un Planeswalker totalement obvious dans ses couleurs qu'on aurait oublié? Est-ce que tu peux genre faire un truc, genre il le joue, on est là en mode oh les cons, oh il avait Oko, tu vois. Oh, j'y crois pas. Ça, tu vas pouvoir péter ça. Hein. Ça se fait plaisir. Ouais. Hein. Marche sur le land, là. Marche sur le land. Doudou. Ça, c'est le Gucci, quoi. Je laisse faire un token ou pas? Bah non, pourquoi? Parce que si je le fais maintenant, il anime ça et on prend 4. Ah bah non, mais je vais pas le péter, je vais juste le bloquer. Je m'en fous. Ok. Fous-toi-en. Oh, je m'en fous, Valin. Bah vas-y. Hein. Oh, c'est combo. Attends, ça, il gagne plein de PV, on a rien à foutre. 7. On est large, j'ai même un de plus. J'avais pas besoin de lander en fait avec le Celestus. Mec, c'est too much quoi. Oh! Oh! Ok. Là, c'est la marche. Hein. Là, c'est la marche. Plus le choix. X égale 0. Putain, il avait beau zéjou le petit chameau quoi. Hop là. T'as rendu compte? Il avait beau zéjou en main, ouais. Bah, c'est bien vu, hein. C'est très bien vu de sa part. Ah bah, c'est très bien vu. Je vais valider. Petite plaine. Ah ouais, toi tu veux pas prendre une petite île. Il te pique une petite île, tu prends une petite plaine. Quoi, ouais, j'ai encore plein de mana bleue. Ok, anti-bête. Allez, Domscar, moi, ce malotru là. Bah, il va retourner ça ton prochain, donc. Ah oui, tu vas attendre. Ouais, ok. Ouais. Ah, on pourra bosser et jouer s'il décide de crousson. C'est bon, tu feras bosser et jouer sur son chariot de chat. Et surtout que je n'ai pas bosser et jouer. Bosser et jouer à Eiganjo, tu m'as compris. Eiganjo. Ouais, là, ça il fait la même avec. Oui. Ah bah c'est une belle carte de dessus. Lui il est gras quand même. Hein. Lui il est relou. Bah, laisse-le attaquer. Hein. Oh il attaque qu'avec ça. Non 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 non, tu vas le rasser, on s'en fout. Ah oui putain. Mec en fait quand je l'ai vu ça, j'étais tellement content d'avoir Eiganjo pour le tuer que je voulais juste le buter. Mais non, on prend laisse 4. Le faire là, ce malotru. J'y vais. My turn. Bon, les landes, c'est bon par contre. Domscar. Je détruis tout. Tu détruis tout, tu restes avec Eiganjo up si jamais il trouve de quoi. Il va pouvoir crew son chariot avec son Lair of Hydra ou. Ouais, s'il n'utilise pas de trésor, son Lair il est 4-4 là. Ouais, ça serait pas mal. Donc, ce serait très agréable. Oh, mec, putain, il est juste 4-4 en fait. Ah dommage. Bon, je vais le tuer quand même. Hein. Ouais, tu vas quand même le tuer. Zou là-dessus. Oh, excellent. Oh la giga draw. C'est bon, t'es pas obligé de lander. T'as 7 mana pour pouvoir activer ton land, pardon. End of turn. Let's go. Il est très fort. Non, il est très très fort. 3 dragons d'Orpon. Bah, ouais, va plutôt une bot. Ici. Non, il n'y a pas bot main deck, mais tu peux trouver. Si, il y a une bot main deck. Ah oui, il y a une bot main deck, t'as raison. Otawara. Ah, bah, Otawara, je prends Otawara et Negate, non? Ouais, ouais. Vas-y, Otawara le là. Putain, il est bon celui-ci quand même là. Hein. Il est très bon. Il a pas le mana pour le rejouer, impeccable. Oh, Sentinel, on s'en fout. Sans Cagueleuf, il a joué 2 spells. On valide. Oh yes, bon, c'est bon, c'est GG. On a Espoir. Laisse-moi te dire qui gagne plus cette game. Tu peux juste je peux la poser Lier. Ah, tu penses que tu peux, ouais. Je la pose. Hop là. Salut. Et c'est une carte par tour, et non. Et non, elle n'est pas nerfée en standard. Quel plaisir. C'est fou parce que la version UI Control d'Alchemy est beaucoup plus forte avec tous les spells qu'il a en plus, genre notamment Discover's Formula et compagnie. Mais en fait, en standard, Lier n'est pas nerfé. Quel diff incroyable. Ah, je peux pas le contrer. Bah vas-y, absence fatidique, hein. Tranquille. Ici. Ici même. Je lisais marche pour voir si on pouvait exiler des cartes de notre main, même en la jouant de l'exil, et oui. Tu peux, c'est bien ça. Ah ben non, poulet. Hein, Drake. Hein. Hop, je vais reprendre Lier en main. Il avait quand même vraiment, genre, il a Boseiju au moment où on active notre land, ouais. Et il a top decké derrière Dragon d'Orpon dans Feu du Dragon. Te rends-tu compte? Il est très bon. Et regarde, il a juste ses 6 landes, il n'y a pas de galère. Je suis choqué, outré, je suis choutré. On va piocher une petite carte. J'aime beaucoup ce qui se passe dans ces games. Si je puis me permettre. J'aime bien le mot choutré, j'ai pas rebondi dessus, mais j'aime bien. Tu reposes Lier. Ah, attends, tu sais que c'est peut-être. On n'a plus grand chose dans le cimetière. Hein. Je peux rejouer. Je veux dire, pour interagir avec un dragon ou une merde, tu vois. Ouais, t'as raison, je peux rejouer que Marge, donc non. Moi, je suis plutôt Impératrice Negate ici. Hein. Ouais, ouais. Tu couvres à la fois l'angle créatureux, à la fois l'angle du spell. En flash, hein. Ouais, ouais. Là, genre, au cas où, il aura un Oko dans son deck, on sait pas. On passe à la nuit, en plus. Ouais, je pense que Domscar, c'est plus son temps, vraiment. Ouais. C'est plus sa guerre, tu vois. C'est pas ma guerre. Là, il a un Boseiju, il se dit, ok, je peux attaquer avec ça, je suis frais. Ouh, la Magdus. Deck. 2 trésors. Impératrice, je fais une de 2. Bah ouais, tranquille. Ou déluge. Je pense. Ah, peut-être déluge, c'est encore plus mignon. Ouais. On y va là. Tu peux faire adieu et tout, tout vider. C'est pas ouf, ça dit. Hein. Ouais, je crois que je prends un autre espoir et un land. Ok, ça me va. L'espoir, il est Gucci. Hein, ouais. Avec Lier. Okay. Oh mais gros, c'est trop. C'est trop. Arrêtez cet homme. Allez, Magda, ça dégage. Alors, on vous a pas précisé, on tue à l'ennui. Hein. C'est-à-dire que si l'adversaire concède pas, bah, en fait, il reste dans un Kenjutsu éternel. Quoi. Je vais pouvoir commencer à mettre des coups de hall des géants bientôt, sauf que bah, monsieur ne pioche jamais de land. Il pioche que des trucs actifs. Non, mais il y a un moment, là, tu vas juste résoudre une Lier ou une Impératrice. Vas-y, la passe turn, tu vas faire Impératrice sur l'air of Hydra, et puis c'est réglé, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tant que j'ai ça, il l'active pas normalement. Mais... il faut peut-être l'inciter à l'activer en dépensant assez de mana. Ouais, on s'en fout. Voilà, je suis Impératrice maintenant. Ouais. Enfin, perso, moi, à la place de Romotari, je passe à la game 2. Hein. Genre là, il n'y a plus aucun moyen qu'il revienne. Quoi. Non, il sait qu'on a Lier en main, qu'on a 3 autres cartes. Ça met des stops à chaque fois, donc il y a des cartes actives. Je fais une 2-2 de plus. Tu fais Lier et tu passes. Hein. Là, franchement, Lier. Avec Espoir volatilisé, tu crains rien du tout. Ouais. Oh, je Domscar. Ouais. Pas l'attaque. Tu peux pas attaquer parce qu'il a l'air. Quoique je peux exiler pour. Oh, c'est vrai que t'aurais pu exiler, j'avoue. Ah, bah Vren, on se demandait s'il avait Planeswalker. Bah, c'est bon. Hein. Ouais, mais je pensais pas qu'il le jouait dans ce deck-là. Et on peut pas contrer. Non, mais c'est pas très grave après. Bah, on va dire ok. Hein. On va aller le chercher à la main comme un grand, il suffira juste d'espoir volatiliser le token. Ouais. Ok, ça on pourra le gérer aussi. On pourra juste... Domscar? Non, c'est un peu chiant. Ça on s'en fout. Il a littéralement donné haste à une créature qui peut pas attaquer. Je fais boon, c'est ça. Ouais. Hop. Est-ce que tu veux bouncer encore la 3-4 pour être sûr d'aller gérer Michel Oren? Tu le feras à ton tour, tu préfères voir ce que tu pioches? Ouais, j'ai juste à faire ça à mon tour. J'exile ça, j'attaque avec 2 là-dedans. Ouais, vas-y, vas-y. Soyons conservateurs, mais il faut faire attention au timer. Quand t'es trop conservateur, des fois tu te fais timer la gueule, quoi. J'enlève Negate, hein, ça ne sert à rien pour l'instant. Ah bah vas-y, gère tout son board, tu Vren, commence à lui rentrer des points. Ouais, ouais. Il faut quand même qu'on accélère notre clock pour avoir le temps de gagner la 2 et peut-être la 3. Allez, déjà qu'en plus, quand on est à 2, qu'on discutait tout, ça ralentit forcément le gameplay. C'est clair. Non. Celle-là. C'est ça, et puis là, bah, là t'as gagné, hein. Peut pas t'arriver grand chose. Voilà. On est bien. Il était un peu, comment dire, résilient, quoi. Genre never give up, notre adversaire. Hein. De ouf, de ouf. Alors contre lui, j'ai l'impression que bot c'est Gucci. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Absence aussi. Ça c'est bien aussi, forcément. On va être sur la draw, donc je pense que Festivités du couchant c'est bien. Hein, sur la draw. Yep. Et j'enlèverai Adieu, qui est quand même pas si brillante que ça contre lui. Non. Je me tâtais à Horreur Brisecoque. Non, non, c'est pas très bien. Parce qu'il la gère pas. Hein. Ouais, mais c'est trop cher en fait. Si t'arrives à 7 mana, t'auras gagné avec Lier avant, tu vois. Ok. C'est pas mort contre lui, mais pas forcément utile. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever pour rentrer ces festivités? On pourrait vouloir que 2 festivités du couchant, parce que notre adversaire est pas non plus le plus aggro du monde. Ouais, la Negate, elle est pas folle. Ouais, non. Tu peux enlever cette Negate aussi. Que t'es une carte... J'enlèverai un Teferi aussi sur la draw. C'est difficile sur un board de créatures de résoudre Teferi. Du coup, comme ça. Hein. Moi, on n'est pas si mal. Je suis coupé mon chauffage, je suis. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les papilles sont plutôt bien contre les decks tempo ou contrôle. Et en même temps, contre les decks créatures, ils sont pas horribles parce que c'est 2 bloqueurs récursifs, quoi. Un peu toujours peur, les mains au début, je fais oh, putain, y a pas de lent, et c'est bon. Ah non, ça va. On avait cette discussion en plus hier soir sur les mains des decks contrôle, et c'est toujours border, mais ça passe toujours. Ouais. Est-ce que je lance Jwari là en premier? Je crois que. Ouais, là, je crois que t'as pas trop le choix, et en plus, tu sais que lui, c'est un jeu créature qui va pas te laisser le. Qui va pas te laisser le temps de trouver tes landes, quoi. Donc, il va falloir Domscar T3, je pense. Ah, let's go, on prédit, hein. Bah ouais, hein. Ou alors je peux tuer Magda maintenant. Je crois que ça lui donne un peu trop de ressources. Tu veux pas plutôt Domscar? Oh, t'as raison, faut s'en servir. Ouais. Ça c'est un land. C'est vrai qu'après s'il accélère dans Chariot, bah on est déçu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, s'il nous bat sur le play, ça me choque pas, tu vois, son deck est designé pour ça, quoi. Oh, il a pas son... 3ème land. Je sais pas si tu veux Domscar au final, ça me paraît pas aussi... Genre là, il va nous faire Dragon d'Orpon le tour d'après, tu veux juste le Jwari. Je pense que je pose All et je passe. Ouais, je vais aller dire. J'ai absence up. C'est ça. Mec, je suis sûr qu'il nous fait Dragon là. Ouais, ah non, dommage, putain. J'aurais kiffé. Quand ça a beaucoup de mal à Michel, hein. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? T'imagines pour 6 mana, Avabruck Caretaker. Bah ouais, écoute, ça sera juste brassé ça. Hein. Ouais. Tu passes à 12, tu lèves son board. Derrière, il nous fait dragon, c'est chiant. Ouais, mais là, il fait dragon de base hein, avec ses 2 trésors. Hein. Ouais, ouais. Non, je crois que t'as pas le choix. Hein. Je peux Teferi aussi, hein. Ça va prendre un peu l'aggro. C'est vrai que tu peux Teferi, tu passes à 12, tu Teferi. Vas-y, on fait ça, hein, ça me va. Hein. Si on n'est pas mort, de toute façon, on pourra faire une grosse vrasse le tour d'après, quoi. Le truc, c'est qu'il a rentré des contres. Il faut savoir que ta vrasse, ça va se prendre un contre, alors que là... Bah là, il y a 3 trésors. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que je peux land vrasse, et s'il contre, derrière, j'ai une deuxième vrasse. Ouais, moi, je serais plutôt land vrasse, en vrai. Je crois que c'est jouer avec le feu que de ne pas la faire ici. Ok. Ok, negate comme prévu. Bah, du coup, là, on le laisse mettre un maximum de board et puis brasse. Hein. Yep. Il a l'air d'avoir une bonne main, il a défaussé qu'une carte. Il a utilisé trésor en plus, donc ça nous va. C'est vrai que ça marche vachement bien, Fable Mirror, dans ce deck-là, en vrai. De ouf. Puisque tu gères des... tu génères des tokens, c'est ouf. Il a encore rien joué, donc bon. Ouais, mais on est mort si on fait pas ça. C'est... Ouais, non, mais on peut faire... À moins que tu restes l'impératrice up. Impératrice, j'exile un truc... Ouais, mais en fait, là, s'il nous fait un dragon d'orpon... Je suis Charlotte aux fraises. Après, c'est vrai que la vrasse tour d'après attrape ça. Ouais. Putain, c'est dur, hein. Qu'il faut impératrice. C'est dur, c'est dur. Si tu fais impératrice maintenant, là, genre que tu exiles Magda, il se passe quoi? Tu repasses à 9, il a plus de 3 de patates, c'est pas horrible. Hein. Ouais, ça le laisse jouer ce qu'il veut. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Vas-y, vas-y, moi j'ai impératrice maintenant, ça va tanker les points, tu passes à 9. Et s'il a un deuxième contre, GG wellplay quoi. Ouais, il y a eu double contre. On n'est pas mort, c'est à dit? Non, on n'est pas bien. Ah non, on n'est pas très bien. S'il fait pas dragon, après... Ouais, ok. GG. Ok, bon, il a fait une très belle sortie. Avec sa bonne sortie, c'est normal. Ouais. C'était très dur de lutter. C'est là où Teferi est vraiment pas du tout brillant, mais je pense qu'on en veut quand même. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on veut changer? Non, je crois pas. Hein. Non, let's go comme ça. Hein. Ouais. Non, on a fait une sortie un petit peu molle, on n'a pas eu les boons ou quoi pour tempo au début. Ça, en fait, on n'a pas eu les anti-bêtes, on a eu les Planeswalkers, ce qui est genre la pire chose à trouver quand ton adversaire t'agresse avec des créatures sur le bord. Et lui, il a une bonne sortie agressive avec les accélérations mana et les contres. Jouons en premier. C'est 2 fois qu'on qu'on galère sur le mana bleu, là. Là, je crois que t'es obligé de mulligan. Hein. Ah ouais. C'est rare avec ces decks-là. Oh, okay. Parfait. Nickel. Tu vas bazarder Appel d'Éméria, je pense. C'est pas du tout son match-up. Oui, c'est vrai. C'est un land qui coûte cher. C'est ça. Il aura plus de cartes en main que nous. Je pense que tu peux directement faire festivité même si tu gagnes pas les 4 PM. Ouais, je pioche une carte, je fais 2-1-1. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ça te laisse le temps de voir venir. Oh, le petit play tempo, là, ça me régale. Il est pas obligé, par contre. Bah, il est bon. Il est très bon. Et il est très bon. Est-ce que tu veux absence fatidique à Magda, sachant que dans tous les cas, le tour d'après, tu auras vagabonde ou déluge? Bah si je le fais pas... Si tu le fais pas maintenant, tu... Si je le fais pas, on se prend dragon d'orpon. Fais land, mana, trésor... Et après, si on se prend dragon d'orpon, est-ce qu'on veut pas justement l'absence? Mais si jamais il a un contre, là, t'es dans l'espace total, c'est ça? Non, moi, je le tuerais maintenant. En fait, non, s'il fait dragon d'orpon, je peux... Non, il aura toujours la fenêtre de contrer. Il l'a aussi, on va voir. Ça lui fait... En fait, il peut pas dragon d'orpon là s'il contre. Ouais, c'est ça. Nous, le but, c'est de retarder le dragon, quoi. Ok. Ok, nice. Et il pioche. Putain, s'il pioche, ça c'est parfait. Oh, c'est parfait. Ouais. Là, on l'a grave ralenti. Hein. J'attaque pas. Non, je crois pas, parce que tu peux double bloc la sentinelle s'il veut te rentrer un point. Ah, bah il est bon. Ah, mais il a pas de land. Ça nous va très bien, parfait. Je vais punir fort. Je crois que tu veux juste puits portable sur sa Magdam maintenant. Ouais. Ça peut être sur la sentinelle, cela dit, parce que la Magda ne peut pas attaquer dans tes tokens aussi. Après sentinelle, si j'enlève Magda, elle fait rien quoi. Ouais, si c'est juste que comme Magda c'est légendaire, ça lui libère des Magda, mais non, mais ça me va, enlève Magda, c'est trop risqué. Ouais, En fait là, il fait un trésor déjà, et derrière il peut juste attaquer même la trade pour refaire un trésor et faire des spells. Ouais. Alors que Sentinelle toute seule ne fait rien. Attaque. Là tu vois, on a gagné assez de temps pour avancer dans nos landes, faire un petit déluge, on est pas si mal. Putain, c'est fou, sans déconner. Lande passe. Hein. Bah ouais, lande passe. Lande bleue d'ailleurs. Ouais. Fin de tour, tu fais Impératrice sur Magda quand il l'engage pour faire son mana. Ouais. Alors ça l'empêchera pas de faire Dragon d'Orpon, mais bon, que veux-tu? Ah, il a Negate. Putain. Ah, mais c'est pas grave, du coup il fait pas Dragon, du coup on s'en fout. Ouais. Non mais j'avais envie d'exiler ça quand même, parce que Magda, j'en vais pas dans cette game. À quoi qu'il fait pas Dragon, je te dis ça, mais si il fait Dragon. Ouais. Putain. Mec, il fait une death pendant 1000 tours, on gère ses Magda. Je pense qu'il fallait peut-être rattraper Sentinel, mais on pouvait pas se douter qu'il avait une troisième Magda. Bah, 3 Magda quoi. C'est bon, t'es bien, t'es Gucci. Land. On a 1 milliard de cartes qui gèrent Dragon et compagnie, donc ça va. Allez, hein, est-ce que ça passe? Je pense qu'il avait tous ses contres en main et que des Magda. Ouais. Ok. Bon, encore un tour. Après, son deck est très méchant hein, par rapport à nous. Hein. Genre, ce qu'il est capable de faire, c'est... Ouais, je pense qu'il joue pas beaucoup de bots et de negate, et il les trouve en plusieurs exemplaires à chaque fois aussi, donc... Disons que ces plans de jeu-là, moi je les ai beaucoup joués, ça s'apparente à tes murs monsters, donc t'as une base grule agressive, et après ça, tu rentres des comptes contre les decks contrôle. T'as à la fois l'accélération en mana, la disruption avec les contres, plus la pression avec tes créatures. C'est genre typiquement les match-ups qu'on déteste, quoi. Tu peux faire Puits Portable et prendre un... Ouais, je pense que tu prends les deux, Impératrice et Puits Portable. Ouais. Gérer Magda, et puis s'il a la quatrième, tu chies par terre, quoi. Ouais. On ne tourne pas autour de multiples quand on peut pas, donc... Et là, faut que tu landes quand même, je pense. Oui, il fait pas discard, lui, donc ça va. J'aime beaucoup parce que c'est une decklist qu'on voyait plus trop, ces espèces de grules splash bleu, mais je trouve que Kikijiki s'intègre parfaitement dedans, quoi. Il est bon, hein. Ouais, mais ça, on s'en fout un peu. Si tu trouves un Domscar, c'est poubellus, quoi. Donc maintenant, faut trouver ton Domscar. Top deck. Let's go maintenant. Peut-être. Non. Je crois que tu peux vivre, non? Non, ça te coûte 4, Otawara. On est one-off, du coup. Ouais, ça coûte 4. Et si jamais tu exiles, je sais pas, moi, le 5-5 chaque... Ah si, c'est créature légendaire, c'est pas permanent. Si j'exile le 5-5, je passe à 7, je suis mort 3 fois. Non. Ciao. GG à lui. Dommage, ah ouais, la disruption. En fait, triple Magda avec 2 comptes backup, bon bah. On était juste battu, alors que la sortie qu'on a fait en mulligan était quand même très correcte, mais. Non, elle était super bien. C'est triple Magda qui nous bat. On gère les 2 premières, il a la 3e en main. Et donc, en fait, ce qu'on gère en fait, ne marche pas. On aurait dû attraper la sentinelle, mais on ne pouvait pas le savoir. Si on avait accès à sa main, on aurait pris la sentinelle, mais on peut pas tourner autour de triple Magda. Ouais. Genre, tu peux tourner autour de la 2e. Franchement, dès le 2e Puits Portable, on aurait pu partir sur la sentinelle parce que ça libérait une Magda qui était morte en main si jamais on prenait la Magda. Par contre, la 3e, c'est pas une erreur de notre part. Ouais, c'est clair. Non, mais... En vrai, la réflexion de base, c'est Sentinelle ne fait rien seul. Magda, il peut la suicider pour faire son trésor et jouer des cartes. Donc, bien sûr, mais ça libère des cartes de sa main, donc on peut au moins se poser la question, quoi. Ouais, mais genre, la donnée, entre guillemets, comment dire, si tu lui laisses Magda et qu'il en a d'autres en main, il peut la suicider justement pour faire du mana et reposer des Magda. Alors que oui, bien sûr. Si tu s'il en a pas d'autres. Sauf que Magda, elle fait pas de trésor en arrivant en jeu, là où avec Sentinelle, elle le fait dès qu'elle arrive, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça un peu la petite diff, quoi. Genre en vrai, on aurait pris Sentinelle, on aurait probablement gagné cette game, mais encore une fois, j'insiste, on peut pas le savoir, c'est pas une erreur de notre part, quoi. Ouais, c'est vraiment chaud, quoi. Et en plus, intéressant. Quand on prend pas Sentinelle la deuxième fois, la troisième fois, on veut pas prendre Sentinelle non plus, quoi. Donc j'ai kiffé ces games et j'ai trop envie de jouer le deck de l'Oppo, donc je crois que je vais tester ça après. Yep. Par contre, à part la fable du Kikijiki, j'ai vu aucune nouveauté, je crois. Non, il n'y a pas de nouveauté. C'est juste avec la fable. Ça s'intègre naturellement dans un archétype qui était un peu laissé dans l'oubli et qui a gagné une bonne carte, quoi. Mais non, il n'y a aucune nouvelle carte. Et Posé joue aussi, quoi. C'est gratuit. Fin de cette vidéo, c'est très cool, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec notre chaîne Twitch, Play-in by Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.